Tiens. Oui, bonjour. Bonjour. Eh, j'espère que tu nous emmènes pas dans un traquenard. Sinon, c'est toi qui vas payer, hein. On se casse, les gars. Venez, les gars, on va partager, on se met dans un coin. On retourne à l'appart et on partage les 10 000. Ça fait combien, 10 000 divisé par 6? Oui, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me donner une petite pièce? Je viens d'arriver en ville, j'ai 0 euros de partout. Tiens. Oui, bonjour. Bonjour. Je viens d'arriver en ville et j'ai pas de sous sur moi. Donc peut-être que vous avez une petite pièce pour moi, monsieur, pour commencer à débuter mon aventure. Bah, j'aimerais bien, mais en fait, on m'a déjà donné de l'argent, mais je l'ai jamais rendu, du coup, je vais me faire niquer si j'en donne. Mais faut pas niquer. T'as pas d'argent non plus? Ah, merci. Y'a pas quelqu'un qui a une petite pièce pour moi, les gens? J'ai mieux que ça, monsieur. Vous avez mieux que ça? Wouah! Wouah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu m'as donné là? J'entends que ça résonne dans ma tête. Oh, c'est quoi ça, une seringue? Je prends. Oh putain! Bah, je l'ai pris, bah merde! Je savais même pas qu'il y avait des seringues dans G-Mode. C'est la première fois que je vois ça. Ah, je suis mort! Bah, t'as fait une overdose, GG. Ah, monsieur, vous avez un souci? Oh, c'est quoi ça? C'est la guerre ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est parti là-bas, monsieur l'agent. Je vais appeler la police. Bougez pas. Il a pas laissé un billet ici? Non, il a rien laissé. On appelle la police. Ça sonne. Oui. Oui, bonjour. Là, je viens d'être témoin d'une scène. Là, c'était atroce, franchement. Il y avait un de vos collègues qui courait après un autre collègue. Il m'a dit de prévenir tous ses coéquipiers. Il est en course-poursuite à pied, là, avec des délinquants. Faut y aller, là, vite, hein. J'arrive tout de suite. Au revoir. Vous avez pas une petite pièce au passage pour moi, non? Putain, il a raccroché. Monsieur l'agent, c'est vous que j'ai eu au téléphone? Oui, c'est moi. Il est parti là-bas, le collègue, là. Et pour l'information, vous pourriez peut-être me passer une petite pièce. On pourrait s'arranger comme ça. Moi, je fais l'indic un peu dans la police. Je viens vous aider si je vois un petit peu des malfrats et tout. C'est beaucoup, monsieur. C'est cool. Merci, au revoir. Radin, va. 100 balles, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 100 balles? J'ai même pas de quoi me payer un bourre pas chaud avec ça. Ah bah, je l'ai bien choisi, mon nom, je peux te le dire. J'ai rarement vu ça. Monsieur, vous auriez pas une petite pièce des fois pour moi? Je viens d'arriver en ville, que je puisse me payer un bourre pas chaud, quelque chose. Non, vous inquiétez pas. Je prends tout, les chèques, les espèces, les cartes bleues, je prends tout, monsieur. Ah, merci, c'est super sympa. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Y'a pas de quoi, au revoir. Bon, on va essayer de se refaire un petit peu plus d'argent là. Mais 2000 balles, c'est quand même pas mal, hein. Il était sympa, le gars, avec moi, franchement. Attends, les flics, je vais leur taxer les petites pièces là. Messieurs. Un de mes collègues vient de me dire comme quoi il y avait. Messieurs, petite pièce pour un SDF qui vient d'arriver en ville, s'il vous plaît. Pour un SDF qui vient d'arriver en ville, s'il vous plaît, petite pièce. Je suis sûr que vous avez ça, monsieur, je suis sûr que vous avez bon cœur. Oh, c'est sympa, merci. Monsieur, petite pièce, s'il vous plaît. Pour un SDF qui vient d'arriver en ville, je suis sûr que vous avez bon cœur. Je le vois à votre chapeau, monsieur, et votre gros manteau noir. Vous voulez la petite pièce, monsieur? Oui, ce serait très sympa, monsieur, s'il vous plaît. Attendez, vu que, en fait, j'ai 9 millions sur mon compte bancaire, donc... Combien? 9 millions. Vous avez pas rajouté des zéros, là, des fois, non? Non. Oh ben, monsieur, vous avez certainement une petite pièce pour moi. Vous voulez pas plutôt des billets? Si vous avez des billets, ce sera encore mieux, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci. Radin, va. Attends, tu veux 1 million? Si vous avez 9 millions, comme vous dites, monsieur, moi je veux bien. Franchement, on pourrait bien s'entendre. Hein. Connard, va. Allô? Excusez-moi, vous êtes excusez-moi, c'est de Jolite. Vous êtes trompé de numéro, monsieur. Moi, c'est Gérard vu ça. Au revoir. Il s'est trompé de numéro. Ça arrive. Monsieur. D'ailleurs. Je me suis fait 7000 balles depuis tout à l'heure, ça va? Merde, attendez, on m'appelle. Allô? Propose-moi du travail, y'a pas l'argent. Allô? Y'a pas l'argent, y'a pas le temps. Si, je suis sûr que t'as le temps de me passer un petit billet quand même. Pour un SDF qui vient d'arriver en ville. Regardez sa poche, je la vois dépasser là. Mais ça c'est parce que tu as trop grosse bite. Je suis sûr que ton cœur est plus gros que ma bite. Donc tu vas bien pouvoir me donner un petit billet. Je sais pas. T'as même pas un petit billet pour moi. Vas-y, je le vois le billet sortir de ta poche là, de lui. Vous êtes bien radin, monsieur. Et vous à côté, vous avez pas une petite pièce là? Regardez la scène depuis tout à l'heure là. Hein? Alors? T'as donné un billet derrière toi là, regarde. Un sujet couille. Ah! Merci! Voilà. Merci, merci San. Merci, monsieur. Les ours. Monsieur. Oh, oui? Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent? Oui, monsieur? C'est une œuvre caritative, rien de méchant. Tout à fait, monsieur la police, vous avez pas une petite pièce pour un SDF qui vient d'arriver en ville? Oui, j'ai rien. Un petit élan de générosité, un petit peu quand même, monsieur. Le radin. Monsieur la police, il est radin. Je vais prendre la voiture de police. Je m'en vais, j'ai pas le temps. Très bien, la voiture de police, elle est là. On va demander une petite rançon.
Allô ? Bonjour monsieur, bonjour, bonjour monsieur, on fait partie d'une association qu'on donne gratuitement de l'argent au monsieur Sangoni. Ah, ah bon ? Ah ça c'est une association qui m'intéresse. Vous êtes où monsieur, comme ça je peux vous donner vos 1000 euros, vous 2000 euros ? Bah vous êtes où ? Moi je viens vous voir moi. Moi là je suis à côté d'un, à côté du station service. Alors j'arrive tout de suite monsieur. Je téléphone à la police pour un truc et j'arrive. D'accord, à plus. Bon, on appelle la police. Ça sonne. Allô ? Allô, la police ? Oui. Oui, bonjour. Oui. Dans un élan de désespoir, ayant pas d'argent et étant SDF, n'ayant plus rien à perdre, ayant perdu ma femme, mes enfants, j'ai volé votre voiture. Ouais, sauf c'est interdit de voler les voitures de fonction, donc si tu veux pas te faire ban, tu vas la ramener où elle était. Pardon, monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites. Moi, je suis SDF, je viens de perdre ma femme, mes enfants, j'ai plus rien à perdre dans la vie, je viens de voler une voiture de police, mais je demande juste un petit billet. ORP, t'as pas le droit de voler... Mec, ORP, t'as pas le droit de voler les voitures fonction de police, c'est tout. Si tu la ramènes pas où elle était exactement, je dis un c'est tout. Au revoir. Il est pas gentil la police. Ouah, wow. Allô ? Vous êtes où monsieur ? Moi je vous attends devant la station service. J'arrive tout de suite. D'accord. Bon, et bien puisque le policier ne veut pas me donner de petite rançon pour sa voiture, et bien on va aller à la station service en voiture de police. Attention. Bonjour, roulez. Vas-y, montez tous. Vas-y. Je cherche l'agent à qui j'ai volé la voiture en fait. Je vais y rendre à cette victime. Montez, c'est bon ? Montez dessus si vous voulez. Y'a pas un agent de police là dans le coin là ? Hé, hey, arrêtez, pourquoi tu me tires dessus ? Descendez du véhicule. Oh, ça va. Ça va. Oh, le collègue. Je voulais y rendre sa bagnole à l'autre victime de flic, là. J'avais rendez-vous à la station service, j'ai 2000 euros à récupérer, là. 2000 euros, vas-y, partage. Fais pas ta pute, Gérard. Mais non, t'inquiète. Fais pas ta pute. T'inquiète. Bon, bah, les couilles. Monsieur, vous êtes là. J'y vais. Ah oui, qui c'est? Oui, bah j'arrivais. J'étais en train d'arriver. Ah, c'est moi. Vous étiez long, monsieur. Ah, j'étais long. Désolé, j'ai eu des empêchements sur la route. J'ai eu des empêchements. Alors, comme ça, vous faites partie d'une association caritative? Oui, monsieur, étonné. C'est super sympa. C'est un petit peu comme la soupe populaire, quoi, en fait. Oh, merci, monsieur. Viens, on va à ton restaurant. Allez, monsieur le cuisinier, maintenant que vous m'avez passé 1000 euros, je vais aller dépenser l'argent chez vous. C'est sur place, hein, c'est pas emporté, hein. On va commander à manger. C'est bon, monsieur, bonjour. Je viens de rencontrer, monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais un McFlurry avec des potatoes, des frites. Et une pizza 4 fromages. Et un club sandwich. Sans beurre, s'il vous plaît. Vous avez pas mangé, monsieur le cuisinier ? Attends, HRP, ils ont vu la nourriture. Yunamar ! Oh, Yunamar ! Et Yunamar ! Les gars, moi, je vous propose, parce que franchement, on a rien, vous voyez, on est des SDF, on est maltraités en ville. Moi, je vous propose qu'on aille manifester chez le maire, à la mairie. Allez, ou Yunamar ! Ou Yunamar ! Ou Yunamar ! Allez, les gars, c'est tout pour les riches dans cette ville. On va aller se plaindre au maire, les gars. Allez, rébellion, les gars, rébellion, les amis. C'est la rébellion des SDF. Allez, tous chez le maire, les gars, là. Pas plus de 3 personnes dans l'ascenseur. Mais non, c'est pas grave, on va se serrer, ça passe, vous inquiétez pas. Allez-y, les gars, tous dans l'ascenseur, les gars. Allez-y, les gars. Go, go, go. Allez, Uyunamar. 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 Gérard, on va aller voir le maire et on va aller manifester dans son bureau. Uyunamar. Oh les gars, je suis coincé les gars. Les gars, je suis coincé dans l'ascenseur les gars. Je suis redescendu les gars. Attendez-moi, j'arrive. Uyunamar. Vous êtes là les gars? Vous êtes pas mort quand même? Y'a plus que toi? Pourquoi? Hein? Uyunamar. Monsieur ? Oh ! Ouvre-moi ! Monsieur ! Attendez, monsieur ! Monsieur ! Bouge pas ! Mais je bouge pas ! Je bouge pas, là ! Oh, vas-y, là ! Il m'a foutu en tôle, là ! Ouais. Je peux te parler de mes... J'ai rien à cacher, on est tous frères, regarde, on se ressemble tous, on a tous la même gueule ! T'es un intrus, alors ! T'es un traître ou quoi ? On parle tous devant nos frères !
Les gars! Arrêtez les gars! Rébellion! C'est toi qui as tué mon frère! Arrêtez les gars! Arrêtez, on va pas tout le temps se rebeller, arrêtez! Non les gars! Ouais! On l'a exécuté le traître! Vous avez exécuté le traître? Non, bah non, oui, bah alors voilà! Eh hey, les gars! Mais non, il est avec nous les gars, arrêtez! Il est avec nous, c'est notre frère les gars! Les gars, c'est notre frère, arrêtez! On est dans la fratrie là! Tous au HLM, on va aller voir ce qui se trame là-bas un peu là! Cri de guerre les gars! Ouyunamar! Ouyunamar! Ouais! Sur la voiture rose! Allez! On va le défoncer! La voiture rose! Oh la voiture rose là! Oh la voiture rose là! Ouyunamar! 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 Alors la voiture rose là! Donne-nous ta bagnole! Donne-nous ta caisse là! Ah! C'est bien! C'est bon! Il est parti mes frères! Il est parti! Il est parti! Laissons-le! Laissons-le! Tous au HLM! Ouyunamar les gars! Ouyunamar! Mais vous faites quoi vous? C'est quoi cette rébellion là? Qu'est-ce que t'as fait avec ton barrage? C'est quoi ce barrage? Regardez, regardez-les là! Oh attendez, stop! Non, on est désolé! On est désolé! On est désolé! Arrêtez! Ne braquez pas, monsieur! On va faire des bisous! Tout le monde fait des bisous à la voiture! Allez, des bisous, bisous la voiture! Bisous, bisous la voiture! Y'a moyen qu'ils nous fassent un tarif de groupe? Il nous faut des flingues là. Combien que tu fais les 3 flingues là? On est 4 hein. On est 4. Ah bah j'avais pas vu merde, je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu, on est 4. On est 4. Donc les gueules est à 2250. 4, bon je vous fais à 2000 donc 8000. 8000 pour 4. 8000 pour 4? Putain, c'est cher. 6000 pour les 4. Ah non, je peux pas, je suis perdant. 7005? 7500, c'est ma dernière. Salut les gars. Tout le monde en a eu, les gars? Ouais, il en manque une. Go la HLM, les gars. Bonjour, qu'est-ce qui se passe dans le coin? Pourquoi vous faites des barrages? Bon, les gars, on va aller vers la HLM. On va se prendre un otage, les gars, et on va se faire de la thune, vous allez voir. Il arrête pas de nous tuer là, on fait. Mais non, mais il est avec nous, c'est pas grave, c'est notre pote. On va voir déjà si c'est habité ici. On fait le tour si c'est habité. Là, c'est disponible. Là, c'est disponible. Là, les gars. Les gars. Rentrez, vas-y. Rentrez, les gars. Venez, les gars, venez. Venez, les gars. Les gars, écoutez-moi. C'est habité en face, là. C'est habité. On va le dire que ça lâche. Qu'est-ce qu'on fait? On va le voir. En face. Attendez. Non. Avec subtilité, les gars, venez. Arrêtez. Mais non, arrête. Attends. Avec subtilité, Jacouille. Écoutez bien, regardez, c'est comme ça avec subtilité. Regardez. Bonjour mon petit monsieur, c'est pour le calendrier des pompiers. Imagine les gars, toc, y'a quelqu'un. Y'a quelqu'un? Oh c'est ouvert. C'est ouvert les gars. Vas-y les gars, fouillez. Y'a quelqu'un ici? 1, 2, 3, 4 les gars, essayez. 1, 2, 3, 4, 4, 0, 4, 3, 2, 1. Je vais être un acte. Je suis un BAC, mais je suis corrompu. T'es un BAC? Ah ouais, t'es de la BAC, mais t'es corrompu. Les gars, moi je dis ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve le propriétaire de l'appart et qu'on le prenne en otage et qu'on le force à ouvrir la caisse là. Attendez les gars, je vais l'appeler. Tom. Je vais l'appeler les gars, je vais l'appeler au téléphone. Je vais l'appeler. Il répond pas. Bonjour. Tu bouges plus. Écoutez-le les gars, attends, vas-y. Écoutez-moi. Oh, je suis dans une grosse. Ta mère, il y a juste écoutez-moi. 4, il y a un flic. Si vous voulez buter, je vous jure, je vous paye 10 000. 10 000, je vous paye. 10 000. 10 000, tu les as les 10 000 là? Je les ai les 10 000. Vas-y, tu passes. Eh! Attends, écoute-le. Tu passes 5 000 maintenant et 5 000 quand on l'a buté. Ok, ça vous va?
Vas-y les gars, je les ai. Vas-y, on le suit les gars. Eh, j'espère que tu nous emmènes pas dans un traquenard. Sinon c'est toi qui va payer hein. Si tu nous emmènes dans la merde, c'est toi qui vas te retrouver dans la merde hein, fais gaffe. Allez les gars, eh les gars, après vous inquiétez pas, je partage après. Y'a personne les gars ici, y'a personne. Vas-y, vas-y, protégez l'entrée les gars. Y'a personne ici. Y'a personne, vous êtes venus pour rien alors. Voilà, je vous donne les 50 000 et vous dégagez. Ok, c'est bon, on t'entendra plus parler de nous. On se casse les gars. Venez les gars, on va partager, on se met dans un coin. On retourne à l'appart et on partage les 10 000. Bon les gars, on partage. On est combien là? 3, 4, 5, 6, à part toi, on est... Ok, ça fait combien 10 000 divisé par 6? Je sais pas. Eh les gars, moi je vous file 1000 chacun, ça vous va? Vas-y, 1000 chacun. Toi c'est bon, suivant. 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 Eh, on repasse pas deux fois les gars. On repasse pas deux fois, bande de salauds. Non, il m'a payé, je te jure. Allez les gars, suivant. Allez, 1000, c'est parti. Tout le monde a eu? Le gars derrière. Je crois qu'il y a quelqu'un qui fait caca les gars. T'as pas Jacouille? J'ai pas eu moi. T'es sûr que tu triches pas là? Je sais pas. Allez, vas-y, c'est bon, voilà. Tout le monde a eu là les gars. Eh, salut Schwarzenegger. Arrêtez de le taper les gars. Allez, on y fait des bisous. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous.